Merci. La parole est à M. Régis Joannico. Pour deux minutes, je vous le rappelle. Merci, M. Oui, le Président. Madame la Présidente. Je m'exprimerai en tant que rapporteur spécial en charge des crédits du sport. Et donc, vous ne serez pas étonné, puisqu'on a déjà eu les débats en, en commission des finances, que je soutienne l'article défendu par le gouvernement, bien évidemment, qui va être un tout petit peu amendé par la suite par ce même gouvernement, pour dire que la France a fait le choix. Stratégique euh, d'être un pays qui attire et qui organise des grands événements sportifs sur son sol, et c'est une bonne chose et c'est un choix stratégique et politique. On parle beaucoup de l'Euro 2016 de foot ou parfois de la Ryder Cup, mais il faut savoir qu'il y a une dizaine. De grands événements sportifs qui vont se dérouler entre 2015 et 2020 sur notre sol. Et ça vient d'être évoqué à l'instant par Pascal Cherki. Ça touche des disciplines comme le hockey sur glace, la lutte, le badminton, le cross country, le basket, le handball, qui ne sont pas des fédérations sportives, on va dire, les plus favorisées sur le plan financier. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une reconnaissance de la part des instances internationales par rapport au savoir-faire français pour organiser des grands événements sportifs de tous les acteurs de notre pays, les institutions public les partenaires économiques les bénévoles associatifs qui participent à l'organisation de ces événements et donc ces événements ont un rayonnement international et une portée mondiale ils ont aussi des retombées économiques sur nos territoires ils créent des emplois ils sont aussi on l'a vu avec la coupe davis l'engouement populaire la mobilisation aussi des français autour et c'est aussi je veux le dire la mise en valeur aussi de nos bénévoles en amont des événements pendant les événements et après, il y a des retombées en termes de licenciés, et donc c'est bien aussi pour le sport, pour tous. Donc je le rappelle, dans l'article 24, ces grands événements sportifs internationaux, c'est pas une dérogation comme ça qui est donnée de façon générale. C'est très encadré. C'est des candidatures des instances internationales. C'est des personnes publiques qui portent les candidatures. C'est au moins un championnat d'Europe et pas les niveaux inférieurs. Et tout cela est encadré, et donc. Pour cela, je soutiens l'article 24 qui est proposé dans le PLFM.